Look up in the sky! It's a bird! It's a plane! Nah, it's the motherfucking bird, ah -ha! Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne pour TW 2016. On vient de compléter un gros succès de pay-per-view qui, qui était Over the Edge où on a vu euh, Bret Hart garder son titre contre recruit Les Steiner Brothers garder leur titre contre les Brain Busters. Shawn Michaels garder son titre contre Brand Pillman dans trois excellents matchs. 99 pour euh, le IC et le Tag Title. 96 pour Hart contre recruit euh, Bulldog a battu a Winner dans le match de la cage. On donne congé à One quelques mois après ça. Uh, Undertaker a bury Sid alive. Donc, Sid aussi. Mais Sid, c'est terminé. Son contrat avec nous se termine. On le signera pas. Randy Savage a battu Earthquake. Uh, Lex Luger a battu IRS. Les Legion of Doom ont battu les Heavenly Bodies dans un non-title match. Barry Windham a battu Big Josh et les Hell Trinkers ont battu les Canam Express et les New Rockers. Le prochain pay-per-view, ben, ça va être WWF Fully Loaded. Donc j'ai décidé d'enlever de, le euh, King of the Ring cette année. On aura Fully Loaded à la fin du mois. Euh, fin du mois de juin. Donc euh, voilà. Où on va s'en aller. On peut faire un tour du côté des titres. Rick Martel, la 7 défense de titre, c'est notre champion de la Smoky Mountain Wrestling. Donc, on a mis le camp Cornette de côté pour Rick Martel. Et on va continuer de laisser le camp Cornette de côté pour un petit bout, jusqu'à temps que Jim Cornette se trouve un nouveau top guy. Euh, 77 de prestige. Les champions par équipe du, du, de la Smoky Mountain Wrestling qu'on vient de réintroduire, c'est les Heavenly Bodies. Ils sont two time champions. Ils ont une défense de titre, mais ils devront mettre leur titre en jeu contre les Legion of Doom prochainement. Donc ça promet. Notre champion du monde, un prestige de 100, Bret Hart après son combat contre Rick Rude. Hey, excellent. Deux défenses de titre pour Bret Hart. Prestige de 100 pour le championnat intercontinental que Shawn Michaels a. Hey, depuis qu'on a eu Rick Martel, champion, ça ne fait que monter. Regardez les défenses de titre, hein? C'était 0-1-2-0-0-1-2-0. Oh! Shawn Michaels, 10 défenses de titre. Donc, tout un champion intercontinental. Il va affronter Mr. Perfect à Fully Loaded. Et les champions de l'équipe avec un prestige de 97 les Steiner Brothers qui ont 4 défenses de titre. Donc euh, voilà. Euh, ben on avance. On a plusieurs. Euh, on, je pense qu'on a un bon pay-per-view à Fully Loaded encore. On, on, J'essaie de faire une petite rotation du monde qui vont être euh, en pay-per-view à Fully Loaded comparé au the Edge. Donc on essaie de changer ça un peu. Oh boy, il y a un incident de Shawn Michaels et Body Lendell. Je pense pas que c'est bon. Shawn Michaels a été obnoxious et il a beat up Buddy Landell. Oh boy. Il donner une amende à Shawn Michaels au moins. Ray ramon, very happy interaction. Buddy Landell is unhappy. Buddy Landell, il dit que c'était trop soft. Le maudit Shawn Michaels. Mais en même temps, pas le choix de protéger Shawn over Landell. Malheureusement pour Buddy Landel, on va faire un medal entre Henry Godwin et The Undertaker parce que c'est deux amis du Bone Street Crew. On devrait peut-être faire le Bone Street Crew, comme clan à Taker Monday. Ok, euh, on va rester dans le Mid-South au Reunion Arena. On va faire notre show, notre premier Monday Night Raw. Euh, beaucoup de choses qui vont se passer. On vient avec les résultats? Ok, c'est les résultats de Monday Night Raw devant 21 000 personnes au Reunion Arena. En pré show on a trois matchs. Le Patriote va affronter Viano 4 et la Patriot va l'emporter avec son Patriote Missile en ah, 7-40. 52 pour la Patriote, 50 pour Viano 4. Euh, le, le, le partenaire du Patriote, Jackie Fulton, son contrat est terminé. Il est parti. Euh, lui est Well Done sont partis. Donc, on a, on a perdu trois de nos gars de euh, Lower Card. Euh, donc, tout ça, ça, la Patriote l'emporte contre Viano 4. Tant que tes matchs par la suite, on sait qu'on a euh, les deux gars de notre développement, Duke Jersey et Brandy, ont une bonne chimie. Donc, on va les utiliser en équipe encore. Ils vont affronter Tom Brandy et Paul Roma dans une course perdante, mais un bon match pour eux quand même. Ça donne un 57, 33 et 35 pour nos deux faces. Euh, Duke Jersey qui a une gimmick style, il changer la gimmick de Duke Jersey. Uh, Branley et Duke Rosie, qui sont les deux proches d'un rappel. Peut-être éventuellement au courant du mois ou dans le prochain mois, on va les rappeler pour la main roster. Victoire de Tom Brady et Paul Roma. Roma nous donne un excellent 69. Uh, Branley améliore ses performances. Donc voilà, on va revoir Brandy et Roma plus tard ce soir. Et le dernier match de pré show Terry Taylor va affronter le One 2 3 kid On continue de donner de l'expérience au kids contre des bons lutteurs. Uh, c'est deux faces mais c'est pas grave. Terry Taylor va l'emporter avec un Flying Farm Smash. Il était office game, ça lui donne un 54 et un 59 au kid. Je pense que c'est la meilleure performance au 1, 2, 3 kid. Donc un excellent match pour lui contre un vétéran comme Terry Taylor. On ouvre le show avec Bret Hart qui va être dans le ring et qui va euh, appeler le bad guy Razor Ramon. Razor Ramon va s'amener dans le ring. Et là, Bret Hart qui dit Razor en signant ce contrat-là, puis en m'amenant le contrat, euh, tu t'assures un title match à Fully Loaded. Il dit par contre, il dit euh, je pensais que tu étais un gars de... Euh, T'étais un gars de euh, caractère puis un gars de, euh, un, un gars juste quand même. Là. Fait que je suis surpris que tu mets soccer punch. Il dit euh, et là, euh, tu re, je, la prochaine fois que tu touches à la belt avant de l'avoir gagnée, il dit tu vas, euh, tu, tu vas souffrir. Là. La colère de Bret Hart, il dit pour toucher à cette belt là, faut que tu l'aies gagnée. Sinon ça donne à rien de la prendre comme ça. T as un manque de respect pour moi et pour la WWF. Et là, euh, le bad guy va prendre la et va dire écoute Bret, là, si un petit coup de poing au visage comme ça euh, « Ça te fait chier Attends, à Folie Loaded, tu vas pas aimer euh, ce qui t'attend. » Il dit « Moi, le bad guy, depuis que je suis arrivé à WWF, j'ai juste fait... »« Commence à être temps là, que, 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 que le monde me reconnaisse là, comme, euh, comme euh, prochain champion. » Il dit « Moi, j'ai juste fait du bon depuis que je suis arrivé. »« J'ai euh, des victoires incroyables contre tous les plus gros noms. » Il dit « Finalement, j'ai mon contrat. » Il dit « C'est à Folie Loaded que ça va se passer. » Il dit puis euh, je vais prendre la belt quand je veux. Le Bret Hart puis Razor commence à s'assassiner et euh, euh, donc Bret Hart et Razor Ramon au courant des prochaines semaines dans le mois avant leur combat donc ils vont euh, devoir choisir un opponent pour euh, leur adversaire et la semaine prochaine à Monday Night Raw donc Bret Hart dit que son beau-frère Jim D'Anvil Night Dart, va affronter Razor Ramon donc Razor va devoir affronter la semaine prochaine le partenaire de Bret Hart, Jim bienville Donc là, l'opener, c'est comme ça qu'on part le show. Gros match entre Bret et Razor à Fully Loaded. Ça va être le main event. Par la suite, on a un match pour le titre Smoky Mountain. Rick Martel continue de donner la, la chance à des jeunes lutteurs. Et Rick Martel va donner la chance à Eddie Guerrero cette fois-ci. Et ça va donner un bon 81. Martel va l'emporter en 12 minutes 22 avec le Boston Crab. Eddie va donner toute une performance. 86 pour Martel, 67 pour Guerrero. Donc on sert de Martel pour mettre over des jeunes. Et pendant le match, en plein milieu, Tom Brandy et Paul Roma vont arriver ringside. vont rien faire, vont juste regarder le match. Et là, Rick Martel et Eddie se demandent qu'est-ce qu'ils font là, ces deux gars-là, avec Teddy Long. Et ils vont juste regarder qu'est-ce qui se passe dans le match. Donc voilà, 81 pour la victoire de Martel, 8e défense de titre contre Eddie Guerrero. Backstage, on est avec le million dollar man Ted DiBiase, Tatanka et le Debiassi qui n'est pas de bonne humeur, Lex Luger, dit, il, il était chercher une victoire contre IRS parce qu'il a triché, il a embarré le, le locker room. Dit, là, le, le, et là, Tatanka va prendre la main Qui dit « Ted, c'est moi à ce soir qui va s'occuper de Lex Luger ». Il a réussi à passer au travail d'IRS, mais il ne va pas battre Tatanka. Tatanka là, qui se soit promet la victoire pour son manager et son euh, leader, le Million Dollar Man, 95$. On a un tank team match par la suite entre le Stud Stable qui va affronter la Canam Express et les Canam vont l'emporter en 8 minutes 20 lorsque Doug Furness va défendre Jimmy Golden avec un Frankensteiner. Donc, on a ramené le Stud Stable, mais on, on, on s'attend à rien d'eux. Ils si vont juste être là pour euh, donner des, euh, des matchs en bas de carte. Donc, belle victoire du Canam Express qui ont subi une grosse défaite au Pay-per-view. Ça leur donne un 70 pour le match. Phil la fin milliard, ses performances. Euh, et après ça... Les Steiner Brothers vont s'amener ringside pendant que le Canam Express s'en va. Et les Steiner vont applaudir le Canam Express, vont, prendre, vont leur donner la main et vont prendre des mics. Et les Steiner disent qu'ils euh, ils aiment bien là, ce qu'ils voient des Canam Express. Euh, toute une équipe à WWF. Et les Steiner Brothers décident de donner une chance au Canam Express la semaine prochaine pour les titres. Donc les Canam Express vont accepter, vont être bien contents de ça. Donc, on aura un deux, deuxième gros match là à Monday Night Raw la semaine prochaine. Enville contre Razor Ramon et title match entre les Steiner Brothers qui vont affronter les Canam. 100% pour le segment. Par la suite, on s'en va backstage. Earthquake et Typhoon sont dans le locker room. Et Earthquake qui va dire à Typhoon C'est à cause de toi que j'ai perdu. Encore une fois, tu ne sais, tu sais pas ce que tu fais. C'est moi le, le top guy d'un disaster. Ça fait deux ans que je te traîne. là. Et là, c'est comme ça que tu me remercies. Quand j'ai le plus gros match solo de ma carrière contre Andy Savage, c'est ça que tu fais. Et là, Typhoon qui va dire Écoute, Earthquake, là, je ne comprends pas pourquoi tu es comme ça. Garde, je vais m'en aller. Là, parce que avant que tu qu'il se passe quelque chose puis que je regrette mes actions. Donc, Typhoon va, va se retourner. Et Earthquake va. Donner un coup de cœur de linge en arrière du coup à Typhoon. Euh, Typhoon va s'écrouler et Earthquake va faire le Earthquake Splash deux trois fois sur Typhoon à, à, à l son backstage. Donc, genre sur le, sur le ciment à Typhoon. Et euh, donc, il y a des EMTs, des docteurs qui vont arriver pour euh, aider Typhoon par la suite. On complète le turn de Typhoon qui était un succès. Typhoon devient Face. Donc, Earthquake qui trahit son partenaire va attaquer Typhoon. Voilà ce qui se passe. On a notre match entre Lex Luger contre Tatanka. Tatanka nous donne un 73 de loin. Hey, C'était 68, je pense, sa meilleure performance. 73 pour Tatanka. Good job, bien content. Finalement, là, il commence à donner, donner de quoi depuis qu'il est avec la Million Dollar Corporation. Et euh, parlant de la Corporation, la Corporation, qui n'avait pas le droit d'être ringside là, parce que c'est juste les managers, mais euh, Lex Luger va esquiver le Indian Dead Drop, va prendre Tatanka sur ses épaules, rack à torture, Tatanka va abandonner euh, à 17 minutes 23, ça donne un 87, un bon match quand même, je ne m'attendais pas à la même performance qu'IRS, mais quand même bien content du match, et tout après, la Corporation va arriver, Bigelow, Kama, IRS, mais Luger le savait, Luger, dès que Tatanka abandonne, va quitter les lieux, va sortir par la foule, et euh, donc ils vont être euh, la corporation qui va regarder l'Uger s'en aller. Donc l'Uger qui continue d'avoir du succès contre la Million Dollar Corporation. Ça donne un 87. Là, l'histoire n'est pas terminée. On a parlé à cette une promo des Legion of Doom. Legion of Doom seront euh, apparemment que les, euh, les Heavenly Bodies là, ont requesté la semaine off à cause de leur défaite qu'il faut qu'ils soignent leurs petit bobo. Par contre, même si les Smoky Mountain titles, uh, Tank Team Titles sont pas un titre de la WWF, le commissaire J.J. Dillon ordonne aux Heavenly Bodies la semaine prochaine de défendre leur titre à Monday Night Raw contre les Legion of Doom qui les ont battus. Donc, un troisième gros match la semaine prochaine à Monday Night Raw. Ça va être un Raw à ne pas manquer. Donc, les Legion of Doom auront leur chance au titre Smoky Mountain Tag Team Titles. Et ce soir, dans le Main Event, les Legion of Doom vont affronter les perdants des titres par équipe à Over the Edge. Les Brainbusters Donc, tout un, un, un match Tag Team dans le Main Event pour les Legion of Doom. 100%. On a un singles match par la suite entre Randy Macho Man Savage qui va affronter Jenny Shiro Tenru, une légende du Japon contre une légende des États-Unis. Bon petit match, Savage l'emporte en 8-48 avec la descente du coude. Ça donne un 89 pour Randy Savage et un 64 pour Jenny Shiro Tenru. Match de 79, un petit match comme ça, bien correct. Donc Tenru qui fait du bon travail depuis qu'on l'a signé quand même. Le Big Bossman par la suite, fait une promo Big Bossman Man et Backstage avec Typhoon. En fait, il est dans l'ambulance. Typhoon, qui est sa civière, le Boss Man qui va aider les EMTs à mettre Typhoon dans l'ambulance. Bassman va prendre le mic, va dire Earthquake. Il dit Quel geste salaud de ta part. Il dit On, on était tellement, on était des amis, là, v'là pas longtemps, là. C'est vrai que si on s'en souvient, l'année passée, ou pas le Rumble passé, mais l'autre d'avant, v'là un an. Bassman qui était souvent en équipe avec Typhoon et Earthquake, avec les Disasters quand il était face. Il dit, écoute, on, a, on, 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 a, on était sur la route ensemble, là. On, on jasait moto puis typhoon, on était des amis, puis là, de devoir trahir un de tes chums comme ça, ça montre quel être exécrable t'es rendu, Earthquake. Il dit, euh, c'est incroyable de faire un geste comme ça. Il dit, puis à un moment donné, tu vas avoir affaire à, à typhoon, mais qui reviennent de sa blessure, tu vas avoir à y faire face un contre un. Il dit, en attendant, je vais te montrer comment vivre, puis je vais venger. Typhoon mon gros plein de soupe. Donc, le basseman qui promet à Earthquake qu'il va, euh, va manger toute une. 100%. On a un match par la suite entre Hakim, le partner du basseman, contre Wellington Wilkins Jr. qui nous donne un bon 54, Wilkins Jr. Euh, une bonne signature de notre part. Et Hakim l'emporte facilement. C'est un squash match avec son 7-47 en 5 minutes 23, 79 et après le match, Hakim va prendre le mic et va dire Il y a un gars ici à WWF, là, un gros bonhomme qui est invaincu, que jamais personne n'a réussi à le battre, ou que jamais personne n'a réussi à le pin ou à faire Je parle du gros Vader. C'est un gars qu'on hein, ne connaît, connaît pas bien. Là, The Man They Call Vader. C'est qui ça, Vader Il dit Vader, là, euh, si tu veux un vrai challenge, Hakim. On recommence la carrière solo et Hakim est prêt à affronter n'importe qui. On sait que Vader a réussi à vaincre là, plusieurs gros noms depuis son arrivée. Euh, le plus gros étant probablement Adam Bomb à Bash in the USA. Il dit Par contre, si tu veux aller une coche supérieure à Vader, Hakim t'attend. Donc le challenge est lancé. Hakim qui, donne un, qui fait un challenge à Vader. Ça donne un 99. Et le main event va nous donner un match de 90. Les Legion of Doom vont affronter les Brainbusters. Euh, les Brainbusters qui ont eu une gro un gros match la veille au pay-per-view, ils vont être un petit peu fatigués. Les Legion of Doom vont réussir à vaincre les Brainbusters en 17 minutes 32 lorsque Hawk va piner Tali Blanchard après le Doomsday Device. On se souvient aussi que dans le Gauntlet match pour trouver qui allait être number one contender pour affronter les Steiners à WrestleMania, ça se passait à House il y a 4 euh, mois de ça. Euh, les Legion of Doom avaient éliminé les Brainbusters et ils vont encore une fois les battre ce soir. Pas trop compliqué comme match en 17-32, Assez long, mais Legion of Doom ont quand même dominé pas mal. Euh, et ils vont réussir à vaincre tony Blanchard. 90 pour terminer le show. Ça donne un bon 92. On monte dans notre popularité dans 11 régions. Et la semaine prochaine, on a tout un Monday Nitro avec trois gros matchs de cédulés. Voilà. Donc, Monday Night Rush est terminé. Bon, on s'en va au Action Zone maintenant. Body qui a des moral issues. Oh, il n'est pas content de l'incident avec Shawn Michaels. On va donner un petit bonus. Body Lindell. On va donner 1500$ qui se la trappe. Il, il est content. Bon. Action Zone. Un incident avec Robert Fuller qui était wasted sur les painkillers. Il a fallu qu'on l'envoie à la maison. On va lui donner une amende à Robert Fuller. On va lui improve son behavior. Il est content. Alright. Robert Fuller. On ne pourra pas l'utiliser ce soir. Ben du monde, c'est painkeller ce temps-ci, Carlin. Euh, Jim Ross, c'est ball, un petit medal. Ça ne fonctionne pas. On va aller dans le Midwest ce soir. On peut rester dans le Mid-South. Au Dallas Sportatorium. Pour le Action Zone. On book ça. On revient avec les résultats. À tout de suite. Alright, on est prêt pour le Action Zone devant 4448 personnes au Sportatorium de Dallas. On rappelle dans le développement Bryan Lee et Duke josie encore une fois pour affronter cette fois-ci Lightning and Thunder. On va donner une grande victoire à Lightning and Thunder euh, par soumission. Lightning améliore ses performances, de 45 et 48 pour nos heels. Euh, Dustin Rhodes va affronter Rod Price dans un bon match de show Rhodes l'emporte en 8,56 avec son Running Bulldog. On va le revoir ce soir avec Barry Wyndham. Ça donne un 75. Et dernier match de pre-show, Men on a Mission vont affronter John Bradshaw et Tim Storm. Et Men on a Mission vont l'apporter avec un diving splash de mots sur Tim Storm. Bradshaw et Storm sont tous les deux dans le développement aussi. Donc on les amène pour un tag team match. Euh, Bradshaw et Storm, eh bien, Bull améliore tout quelque chose avec ce match-là. On ouvre le show avec. On ouvre le show avec Barry Windham qui affronte Crush et euh, Barry Windham va l'emporter avec son Superplex en fait. Mr Fuji allait pour interférer à un moment donné et euh, Dustin Rhodes est arrivé et a enlevé le, le fameux sel des, des mains de Fuji et, euh, et par la suite ça le distrait Crush qui s'est fait battre par le Superplex de Windham donc un excellent match pour starter euh, le show avec un 78 par la Teddy Long est avec Tom Brandy. Et euh, Long dit que Tom Brandy et Paul Ramon ont étudié Rick Martel euh, cette semaine à Monday Night Raw. Et Tom Brandy pense qu'est-ce qu'il faut pour vaincre Rick Martel euh, dans un match pour le titre Smokey Mountain. Donc il va challenger Rick Martel à un title match. On va voir ce que Rick Martel va dire là-dessus. Vader va squasher Jerry Flynn avec un belly-to-belly -belly suplex en 5 minutes 16. Ça donne un 78. Et Vader, après le match, va dire que Hakim. Hakim qui a challengé Vader, il va dire Hakim, fais attention à ce que tu challenges. Il dit pas, euh, Il dit là, le bossman ne sera pas avec toi en équipe, là. tu vas être one-on-one -on -one contre Vader. Il dit Vader, c'est euh, le domaine the des calls Vader. Il m'appelle comme ça parce que je suis un inconnu dans le monde à euh, WWF, mais euh, j'ai fait mes classes ailleurs. Euh, et puis écoute, euh, j'accepte ton challenge. Donc Vader va accepter le challenge de Hakim et ce match-là va avoir lieu à Fully Loaded. Donc ça donne un 84 match les smoking guns vont affronter de la corporation. Bam, bam, Bigelow et Kama et Kama et Bigelow vont l'apporter en 11 41. Dead Valley Driver de Kama sur Bart Gun pour la victoire. 90 pour Bigelow, 87 pour Kama. Bonne performance. 63 pour les deux smoking guns. Bon match de 84. Par la suite, on a un euh, promo backstage de Leaf Cassidy et Marty Jannetty qui vont dire ça, les Steiner Brothers qui ont été pour challenger euh, la Canam Express. Ça n'a aucun sens que c'est les Canam Express qui ont une chance au titre par équipe. Les New Rockers, on en mérite une, une chance au titre par équipe, nous autres aussi. Et euh, on ne comprend pas pourquoi c'est les Canam Express. Donc, euh, on aimerait ça être next après ça. Après, la, à, à, après ça, donc ils, eux autres aussi, ils aimeraient ça une chance au titre par équipe. Donc on va voir ce qui va se passer avec ça. 88 Brian Pillman va affronter Buddy Landell, et va l'emporter avec son Air Pillman en 9,48. Ça donne 82 à Pillman, 53 à Buddy Landell. Crush va faire une promo par la suite. Il va dire qu'il a perdu à cause de Dustin Rose. Là. Si ce n'était pas Dustin Rose, Crush aurait battu Barry Windham, Il va les challenger euh, la semaine prochaine. Il va challenger plutôt Dustin Rhodes la semaine prochaine et il va dire que Barry Windham, si tu es un vrai homme, tu vas rester chez vous cette fois-ci. Tu vas pas interférer dans mon match. Donc, Crush va challenger Dustin Rhodes. 93. Greg Valentine va affronter Henry Godwin et malheureusement, ça clique pas entre les deux. Valentine l'emporte avec un pound driver en 9 minutes 9. On repassera pour les performances. Temperatures et Jimmy Del Rey vont faire une promo. Ils n'auront euh, pas le choix de défendre leur titre contre les Legion of Doom. La raison pour laquelle ils ont, pas, ils ont perdu hein, à Over the Edge, pas compliqué. Ils ont perdu parce que c'était un Untitled Match. Quand c'est le temps de défendre les titres, les Heavenly Bodies ils vont faire tout ce qu'ils ont à faire pour garder les titres. Ils vont être capables de vaincre les puissants Legion of Doom. Et donc, euh, les, les Heavenly Bodies qui place d'avoir l'air d'avoir peur comme ils devraient, on dirait qu'ils sont confiants. Donc 78 pour la promo des Bodies. Diesel va squasher Ice Train avec un jackknife en 435 par la suite. Greg Valentine va faire une promo, va dire que Bran Pillman, là, qui a vaincu euh, Buddy Landell, c'est un fluke. Il dit Bran Pillman, s'il veut se, il veut se euh, euh, tester contre un vétéran comme Greg Valentine, ben Valentine il va attendre Pillman pour un combat la semaine prochaine. Ça donne un 76. Et le Main Event, c'est un match par équipe entre les Québécois qui vont affronter Bobby Eaton et Terry Taylor. Et les Hills vont gagner euh, lorsque Jacques Rougeau va défaire Terry Taylor avec le Québec Crab. Après que Johnny Polo ait interféré, ait lancé, euh, donné un coup de bâton, là, le fameux bâton dans le dos à Terry Taylor, Jacques Rougeau en profite. Donc, victoire des Québécois. Jacques Rougeau va faire abandonner Terry Taylor. 72 pour Eaton, 56 pour Taylor, 84 pour Jacques Rougeau et 69 pour Calouelette. Termine avec un 84, 81 pour le match. Et je commence à travailler à l'instant. Donc, euh, voilà pour la première semaine d'activité. Terry Funk est out of shape. Afin qu'il se retire. Alright. mais on se revoit pour la deuxième semaine d'activité. On a trois gros matchs là, qui s'en viennent à Monday Night Raw la semaine prochaine. Euh, dont. Euh, euh, C'est-tu trois ou quatre? Oh, on a uh, Jim Night contre Recruit, on a uh, les Tag Team Titles des Steiners qui sont en jeu, et on a les, les, les titres aussi euh, qui vont être en jeu euh, des euh, Heavenly Bodies là, contre les Legion of Doom. Donc, soyez les noms pour Monday Night Raw. Bonne journée tout le monde.